Chaque établissement est libre de mettre en œuvre sa politique en matière de développement durable, sur le secteur des déchets comme sur d'autres secteurs. D'où l'importance d'un engagement directorial pour réaliser ce type de politique. Mais sur le secteur des déchets, c'est finalement assez simple pour une direction que d'enclencher un processus de développement durable, parce que ça rejoint la préoccupation économique et ça rejoint la préoccupation sanitaire. L'important pour nous, c'est d'inscrire solidement notre politique de développement durable dans le projet d'établissement. Mais il faut en parallèle avoir des actions concrètes. Il faut que les personnels voient tout de suite des changements, des pratiques. Et sensibiliser les personnes pour qu'elles participent également chacune à leur niveau et agissent au quotidien aussi pour le développement durable. Il faut aussi parler consommation énergétique. Et ça, c'est le second axe sur lequel les hôpitaux ont de grandes marges de manœuvre, c'est la réduction de nos consommations énergétiques. La filière environnementale, elle touche l'ensemble des agents de l'hôpital, elle touche toute la structure de l'hôpital. Alors le médecin, en tant qu'animateur d'équipe, en tant que pivot de la prise en charge des patients, a un rôle d'entraînement, d'incitateur, de catalyseur qui me paraît absolument indiscutable. Les médecins sont beaucoup plus sensibilisés maintenant qu'il y a quelques années. Sécurité sanitaire et développement durable vont pas tout à fait dans le même sens. On est passé d'une ère de matériel réutilisable à une ère de matériel à usage unique, qui génère des déchets. Le progrès médical doit primer, ça ne veut pas dire que l'on doit méconnaître les conséquences de ce progrès médical. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Le processus de réduction de nos tonnages de déchets, puisque c'est quand même l'enjeu, passe dans un premier temps par une modification de nos politiques d'achat vis-à-vis d'un certain nombre de fournisseurs pour réduire la part de l'usage unique. Le deuxième axe de travail, c'est la mise en place de multiples filières de tri. Le troisième élément en matière de développement durable, c'est de faire en sorte que les modalités de transport de ces déchets dans des sites comme les nôtres, qui sont des sites dans Paris intramuros, soient optimiser. Dans les clauses de marché, ce que nous avons intégré, c'est systématiquement l'impact carbone, en tenant compte en particulier de l'éloignement de l'exutoire, c'est-à-dire le lieu où la matière première est recyclée. Nous avons fait le choix, nous, de construire cette plateforme déchets, mais c'est un investissement effectivement raisonné, puisque nous avons pu obtenir des participations financières importantes de partenaires comme l'ADEME, l'Agence de l'eau et le Conseil régional. Ça ne coûte pas plus cher de bien gérer nos déchets que de les gérer de façon réglementaire, bête et simple. On a d'emblée voulu intégrer la notion de réduction des déchets à la source par une véritable politique d'achat. On peut introduire dans nos cahiers des charges des demandes spécifiques pour les candidats qui répondent à nos marchés. Et ça fait partie des critères de jugement également. Concernant le verre, en fait, initialement, nous avions un faible gisement, une faible production de verre. Donc nous avons fait le choix de supprimer le verre dans l'ensemble de nos approvisionnements au profit d'autres emballages comme les tétrabriques ou bouteilles plastiques. Et celle-ci intègre une filière éco-emballage. En fait, il nous a suffi de demander dans le cadre des cahiers des charges que les emballages ne soient pas des emballages bouteilles en verre. Nous avions un problème avec les palettes, les fournisseurs nous livrent et abandonnent souvent sur place les palettes bois qui sont difficiles à éliminer. Donc nous avons introduit dans nos cahiers des charges des clauses qui obligent le livreur à récupérer les palettes sous peine de pénalisation. La gestion des déchets, ça commence par le tri des déchets. Mais la loi de 1975, c'était la première loi qui nous obligeait à trier les déchets. En fait, les professionnels ne demandent pas mieux que de trier, à la condition que les techniques de tri soient suffisamment ergonomiques. Il faut que ce soit pratique, rapide, et qu'ils puissent investir sans que ça leur prenne plus de temps pour le soin ou pour le quotidien de leur travail. Le but, c'est d'arriver à mettre le bon déchet dans le bon sac. Par exemple, l'emballage de la compresse va dans les ordures ménagères. La compresse qui a été utilisée et qui est souillée par un produit biologique dans les dasseries. Donc l'idéal, c'est de mettre toujours le support sac jaune
le moins accessible possible par rapport au sac noir, pour éviter la facilité de jeter le déchet au plus près. Patrick a fait déposer des déchets avant les formations. J'ai fait les formations et Patrick a repesé les déchets après les formations. C'est-à-dire qu'on vérifiait les sacs d'acerie et on vérifiait le nombre d'AOM qui s'y trouvaient. Et en contrôlant un certain nombre de sacs dans le service, on arrivait à une note moyenne. Et on avait mesuré le kilo par hospite avant les formations, qui était de 1,3 kg à peu près. Et après les formations, on a descendu entre 0,8 et 0,9 kg par hospitalisation. Sur 350 000 hospitalisations, évidemment, ça fait beaucoup. Le budget de l'hôpital représente à peu près 1 million d'euros, tous déchets confondus. Entre 40 et 50%, ce sont les dasseries. Le but, c'est de faire réduire les tonnages, de faire réduire les volumes. Et en faisant réduire les deux, on réduit les coûts des dasseries. On peut aller beaucoup plus loin en travaillant sur toute la filière de la production du déchet jusqu'à son élimination, pour valoriser ce déchet et le faire devenir une nouvelle matière première qui pourra être réutilisée. Et ne plus avoir que dans la poubelle ce qu'on appelle le déchet ultime, c'est-à-dire ce qui n'est plus ni transformable, ni valorisable, ni recyclable, ni quoi que ce soit. Le fait que nous ayons développé des filières qui sont toutes des filières de valorisation de la matière et non plus de simples filières d'élimination des déchets, nous avons pu échapper en fait à la taxe générale des activités polluantes, ce qui a une incidence financière positive tout à fait significative. Dans ce qui n'est pas réglementaire, finalement, pour un même objectif, chacun peut répondre de manière différente. Plus on va dissocier la filière ordures ménagères en créant des filières de valorisation, plus il va falloir de surface. Il faut qu'il y ait une masse critique suffisante pour que la filière vaille le coup. Ici, nous sommes sur le site de la plateforme déchetterie qui a été réhabilitée récemment pour permettre la mise en place des différentes filières pour pouvoir avoir un traitement différencié de nos déchets. L'a priori, important qu'ont les gens, c'est de toute manière, on leur demande de trier, mais à la fin, tout se retrouve mélangé. Il faut pouvoir apporter la preuve que nous allons jusqu'au bout. Et c'est à ce prix-là seulement que les professionnels accepteront de faire un effort. La valorisation du carton des boîtes de conserve, c'était pas compliqué à mettre en place. Il fallait juste en avoir la volonté de le faire, et un minimum de moyens quand même débloqués pour pouvoir faciliter la démarche. Sur le site de Cherbourg, on est contraint entre quatre rues, avec des surfaces qui sont pratiquement totalement utilisées au sol, donc on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur du stockage en interne. Avec une production de carton très importante, c'était, en termes de surface de stockage, complètement impossible. Donc il fallait une fréquence de ramassage de préférence quotidienne. Et comme Emmaüs pouvait répondre à ce type de demande pour une modique somme, c'est vrai que pour nous, c'était très intéressant. Il passe donc tous les jours ramasser carton, boîte de conserve et papier. On a déjà commencé par établir une liste du papier valorisable et du papier non valorisable. Pour le papier confidentiel, on a donc mis en place un broyage décentralisé avec des broyeurs de bureau. En volume, sur le nombre de containers qui partaient tous les jours ramassés par la communauté urbaine, ordures ménagères, on a fait baisser de 25% le nombre de containers qui partent. Ça a été mais flagrant. Un établissement de santé qui est destiné à soigner des gens ne peut pas se désintéresser du développement durable. Ce serait incompatible d'avoir une démarche positive pour soigner des gens, une démarche négative pour altérer l'environnement. On voit bien qu'il y a une nécessité de s'intéresser à ces sujets-là. Deuxième chose qui m'a frappé en regardant le film, c'est que les acteurs hospitaliers sont pleins de ressources et pleins d'imagination. Ils n'attendent pas des textes, ils n'attendent pas des normes, des circulaires pour s'approprier des sujets qui paraissent rébarbatifs au départ, pas très valorisants, pour enfin adopter des comportements citoyens par une meilleure organisation. Et en même temps, ils s'aperçoivent assez vite que cette façon de gérer a de l'impact économique. Et je trouve qu'il y a bien l'ordre des facteurs qu'on aime à la nappe, à savoir on privilégie d'abord la qualité et on voit qu'ensuite, il y a des impacts économiques. Nous, on croit à la nappe que ce sont les acteurs de terrain qui transforment le monde, et ce sont les acteurs de terrain qui apportent les idées. À nous simplement de les accompagner pour les rendre encore plus puissantes et leur donner une résonance particulière que toute la communauté peut s'approprier.